Le football sud-africain sur le banc des accusés après la suspension de l'arbitre ghanéen Joseph Odaarte Lamte de toute activité liée au football par la commission de discipline de la FIFA. Même si la décision de l'instance suprême du football mondial rendue publique lundi ne le dit pas clairement. Elle suppose que la Fédération sud-africaine de football aurait contribué à influencer illégalement la décision de l'arbitre ghanéen lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 qui opposait les Bafana Bafana au Sénégal en mi-novembre dernier. Joseph Odaarte avait sifflé un pénalty sur une main inexistante de Kalidou Koulibaly, provoquant la stupeur des spectateurs. Jusqu'à ce mardi soir, les Bafana Bafana, qui se préparent pour la prochaine journée FIFA, n'ont pas réagi à cette sanction de l'officiel ghanéen. Reste que la Fédération sud-africaine se trouve à deux doigts d'être entraînée dans un nouveau scandale après les accusations de paris truqués qu'il avait déjà éclaboussé il y a 3 ans.